D'abord, vous avez parlé du RPG qui n'existe plus. Mais oui. Non, moi, quand je dis quelque chose, je vous donne les preuves. Allez au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vous allez trouver un procès verbal de dissolution signé par les responsables du RPG. Le RPG n'existe plus. Maintenant, par rapport au RPG arc-en-ciel, qui est la fusion au départ de 45 partis politiques, le professeur Alpha Condé n'a jamais été président de ça. Pour la simple raison, quand on a fait la fusion, le président Alpha Condé était président de la République. Le mandat du président de la République est incompatible avec toute autre fonction, même élective. Donc il ne pouvait pas être président du RPG arc-en-ciel. C'est pour vous donner l'information vraie. Maintenant, par rapport à mon alliance, quand on est allié, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas d'accord sur tout. Si on était d'accord sur tout, j'allais être RPG arc-en-ciel. Et je ne passerai pas là-bas sans vous dire aussi comment j'ai quitté. Parce que le RPG arc-en-ciel, je suis l'initiateur. C'est moi qui ai pris même l'arrêté de création du RPG arc-en-ciel et déposé. Mais j'ai été radié du parti avec Ousmane Kaba. Là aussi, Ousmane est mort. Bien que nous sommes en justice, mais il ne dira pas que ce n'est pas ça, c'est mon témoin. Donc le président Alpha Condé n'a jamais été président du RPG arc-en-ciel.